celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons, comme les barreaux d'une prison. À la fête, où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. C'est fini, hein? Alors c'est Alain qui l'a fait. Cela dit, alors moi je trouve ça totalement désespérant, parce que quand on sait comment on traite des migrants, des humains dans les centres de rétention, notamment en France, on ne s'étonne pas qu'on traite les animaux comme ça, parce que c'est une sorte de logique de l'humanité. Bon, c'est des gens qui dérangent, donc... Mais hein. Ça participe de la même démarche, c'est le respect du vivant. On l'a en soi ou on ne l'a pas, et je crois que là, il faut qu'on se réveille en ce début du XXIe siècle. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour, il y a des droits de l'animal comme il y a des droits de l'homme? On oppose à cette idée, moi je suis favorable, au fait que pour qu'il y ait des droits, il faut que les gens qui en bénéficient soient capables de comprendre qu'ils ont des droits. Alors on dit les animaux ne peuvent pas comprendre qu'ils ont des droits. Moi je réponds, l'enfant qui vient de naître a des droits, la personne âgée qui perd ses moyens a des droits, elle ne comprend pas, le handicapé ne comprend Mais pas Alain, forcément. Pas seulement, parce qu'on oppose aussi l'idée qu'il y a une lutte pour la vie au sein des animaux et qui sont particulièrement féroces quelquefois les uns entre les autres. Donc c'est aussi très difficile non, de mais définir. Là, on rentre dans la réflexion de la biodiversité, on ne va pas refaire le monde. Si, on a le temps. Non, enfin, je ne suis pas contre. Mais, non, on rentre dans cette réflexion, mais pour autant, est-ce que le respect que nous, dominants, devons à l'animal, on devrait s'en exonérer? Vous savez, j'ai eu le bonheur de rencontrer Konrad Lorenz, qui était prix Nobel, le père de l'éthologie, l'étude du comportement animal, et il m'avait dit, les sociétés, Alain, se construisent sur la domestication, donc la domination de l'homme sur l'animal. Et si elle savait, lui, l'éthologiste qui étudiait le comportement, combien l'animal était capable d'avoir de l'émotion, de la compassion à l'égard des autres, etc., eh bien, ça remettrait en cause la société. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère fermer les yeux qu'ouvrir le cœur. Il faut lire ça, c'était un... C'est bien, il y a quelques citations formidables. Hein.